Bonjour à tous, en attendant lundi, on s'invite à votre table ce dimanche. Alors, si je vous dis qu'une enfant va sauver la planète sans LBD, même si on devient tous italiens à cause des millennials, je vais y arriver, vous allez me dire que soit ça va être compliqué, soit que je débloque ou que l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, heureusement, ils sont là pour clarifier, car limpidité et clarté sont des maîtres mots. Pour Inès Moratti, bonjour. Clarté, surtout, les millennials. Millennials, c'était le bouquin et le film. Millennials, vous allez savoir de quoi on parle, enfin surtout elle, tout à l'heure. On va saluer aussi Jean-Philippe Scapula qui est avec nous. Bonjour à tous. Et cette fois, on va aller en Italie, contrairement à hier, c'est promis. Didier De Giordano, bonjour. Bonjour Laurent Vital. On va parler de Greta. Ouais. Sympa, cette fille. Mais très, très sympa. Elle va changer le elle monde. Elle mérite d'être connue. Et il est temps de saluer Julien Osti. Bonjour. Alors attention, aujourd'hui, Julien Osti débarque toujours avec le dessin de la semaine. Mais la production ne reculant devant aucun sacrifice financier, nous allons, surtout lui, vous proposer aujourd'hui une animation en 3D et sans port de lunettes. C'est fabuleux. Est-ce que vous vous souvenez des flashballs du LBD ? Oui. Le LBD, alors, c'est le lancement de balles défensives. Lanceur de balles de défense. De défense. C'est ça. Et bien on va en parler dans le nouvel épisode de notre feuilleton préféré, Amour, gloire et gilet. Mais avant, un petit récap. Voici Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, fraîchement élu, a donc composé son gouvernement. Voilà, ils sont tous là, ils sont magnifiques. Donc vous pouvez jouer chez vous, à trouver de quel ministre il s'agit. Je vous aide, lui, c'est Édouard Philippe. Et donc, il a également nommé Gérard Collomb. Gérard Collomb, hop, je le recule, qui était donc ministre de l'Intérieur. Il n'y est plus. Il n'y est plus, mm-hmm. Puisqu'il a voulu être maire de Lyon. Il a dit, voilà. Maire de Lyon. Lyon, je suis ton maire. Voilà. Ceux qui aiment les jeux de mots vont se régaler. Je vous l'ai dit. J'achète. Il fallait donc trouver un autre ministre de l'Intérieur. Non, vous pouvez l'arrêter là, la chronique, juste pour le... Lyon, je suis ton maire. Il fallait donc trouver un autre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et donc, notre ami Christophe était le ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'il voulait, d'ailleurs, il a pas arrêté de le demander. Tout se passait bien. Mais ça, c'était avant le drame. Puisque, au niveau du peuple... Non, mais quand je vous disais qu'on a mis les moyens... Ça, c'est le peuple. Le peuple a commencé à se rencontrer, le peuple a commencé à discuter. Et le peuple s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment content, et ils ont créé un mouvement... Gilets jaunes. Pas content. Il fait des voix aussi. Le peuple n'étant pas content, Emmanuel Macron a dû régler cette solution. Et donc, notre ami Emmanuel a eu une bonne idée. Je vais créer un débat, un grand débat national pour la démocratie. Un débat, pas content. Donc, n'ayant pas compris l'intérêt du grand débat, il va se plaindre à Christophe Castaner, qui, lui, a trouvé une solution. Parce que notre ami Emmanuel, il va essayer d'amener du Benalla. Il va essayer toutes sortes de choses. Mais Christophe a une idée. Christophe a dit à notre ami Mickey, j'allais dire, Emmanuel Macron, on va amener le LBD. Lanceur de balles de défense. Donc ça, c'est une arme révolutionnaire, car elle ne tue pas, mais avec ça, les gilets jaunes, ils vont plus ressembler à grand-chose. Regardez, ça marche comme ça. Ça marche vraiment en plus. Ouais. Ah, donc, mon œil. Macron, tiens, génial, c'est légal. Non, puisque tous les pays l'ont interdit, hein, à part la Pologne, la Grèce et la France. Et donc, le temps a passé... Et nos fringants gilets jaunes du début ont bien changé. Et donc lui, il a perdu un œil, elle une main. Lui, il a été salement touché. Les plaintes se sont accumulées. Et vous savez comment ça va finir tout ça? Non, en purée. Mais dans une bataille d'avocats. C'est n'importe quoi. Voilà. Tout ça pour ça. J'ai fini. Pour la chute avec les avocats. Oui. C'est parti. Bon. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Je vais pas m'en remettre, moi, après. Tout ça pour piller le coffre de jouets de vos enfants, c'est du propre.
Parlons à présent, on va rêver d'Internet, de la génération Internet et des millennials. Oui, Laurent. Alors, aujourd'hui, on va parler des millennials. Hein. C'est cette génération qui a grandi en même temps qu'Internet, entre les années 1980 et 2000. Et donc, excusez-moi, Laurent, vous sentez pas qu'il y a un truc sur le plateau qui va pas ? Oui, les pommes de terre de Julien, oui. Non, non, il y a un autre truc qui cloche. Vous êtes cerné, vous êtes entouré sur le plateau, il n'y a que des millennials. Voilà, ça fait des semaines qu'on vous le cache, mais oui, c'est nous. Vous nous reconnaissez ? Mais oui, c'est nous, la génération qui est responsable de la faillite d'à peu près toutes les sociétés. Ça, c'est dû à nos habitudes de consommation qui différaient fondamentalement de celles des générations précédentes. Voilà, hein, on va avouer, avec Julien, Didier, Jean-Phi, on s'appelle tous les matins. On se demande sur quelle industrie ça va tomber, hein. À qui va-t-on faire déposer le bilan ? Voilà, on a créé une petite roue de l'infortune, hein, on devient créatif. Alors, du coup, notre génération, elle est quand même pas mal montrée du doigt par les médias. Et on va vérifier ça tout de suite parce que je suis venue avec un jeu. Dans cette coupe, oui, c'est un saladier. Pourquoi j'ai un saladier chez moi ? Est-ce qu'on dirait que je mangeais salade ? Non, alors, vous avez différents secteurs ainsi que différents produits de consommation. Vous alliez piocher, vous me dites si les millennials ont tué ou pas cette industrie. Vas-y Didier, est-ce que les millennials ont tué ? C'est faux comme on a accessoirisé cette émission. Paris Saint-Germain. l'adoucissant pour le linge et la marmelade. Alors, est-ce que les millennials ont tué cette industrie ou pas ? Non. Non, on va suivre, Jean-Phi. Ah, il y a du rythme. Non, mais 8 heures sur un trek. J'ai le raccourci. Les croisières et les serviettes en papier. Non. Le golf et la mayonnaise. Ah oui, clairement. Oui. Ah oui, ça a tué. À cause des milléniums. Hein. Ça a tué le golf et la mayonnaise, oui. Les autres bouchons en liège, pourquoi pas. Vous avez joué aujourd'hui, Laurent, vous êtes content? Oui, super. Bon, je vous ai piégé. En fait, elles sont toutes vraies. Toutes ces propositions, elles viennent en réalité de ce collage qui rassemble les gros titres d'articles consacrés aux millennials qui tuent des choses. Voilà, idée de hobby. Alors, c'est une jeune fille sur Twitter qui a décidé d'en faire une frite et de l'accrocher au-dessus de son lit. Là, les baby-boomers, vous vous dites, donc en gros, vous êtes les serial killers de l'économie et en plus, vous en faites des posters, vous les accrochez au-dessus de votre lit. Vous êtes glauque et vous n'avez pas d'âme. Alors certes, à titre personnel, je valide la pertinence de cette remarque. En revanche, au nom de ma génération, non. Je dis non, je suis obligée de m'élever. Non, alors c'est quoi le point de départ ? Alors voilà, d'où ça vient cette escalade du millénium meurtrier ? Eh bien, ça avait commencé avec un tweet posté en juin 2016 par le magazine britannique The Economist qui demandait « Pourquoi les millénials n'achètent-ils pas de diamants ?» Bon, c'est vrai ça, tiens, pourquoi on achète ? Mais c'est parce qu'on n'a pas de thunes, Mildred. Non, mais c'est une réponse. C'est un argument. Parce que plot twist, c'est nous qui sommes en faillite. Regardez, on va le voir. Hein. Voilà, les millennials n'ont pas de... Voilà, mais des sociétés en faillite. Là, regardez, sur la photo, ça c'est moi. Je suis obligée d'arrondir mes fins de mois. Je pose pour des magazines. Et pas comme vous voudriez. Alors, oui, le truc, c'est qu'à cause de toutes ces accusations... Elle est folle. Contre... Oui, par contre, j'ai googlé. Hein. Vous m'avez dit, regardez sur Wikipédia. Et hier, j'ai regardé entre-temps. Oui, le truc, c'est qu'à cause de toutes ces accusations contre les millennials, vous avez la Banque Centrale Américaine qui a été obligée de faire une étude. Ils ont appelé ça les milléniaux sont-ils différents ? Et là, on dirait Laurent qui dit non, c'est pas, elle est différente quand vous parlez. Non. Je retiens, hein, je le sais, hein, je regarde l'émission. Voilà, que nous dit ce rapport ? Oui, hein, que nous sommes moins bien lotis que les membres des générations précédentes. Si on nous compare au même âge, nous avons moins de richesses et moins d'actifs en général. Eh ben, breaking news. Donc non seulement c'était pas notre faute parce qu'on n'a pas assez de sous en fait pour acheter des choses, et en plus c'est à cause de qui que l'économie est aujourd'hui ruinée, les gars, hein, suivez mon regard. Voilà, donc il va falloir arrêter de nous tracher. Sinon, nous aussi on peut se moquer. Démonstration. Oh, tu as vu, grand-mère, je vais scotcher les boutons de la télécommande pour qu'elle vive France Télé, et elle reste encore bloquée tous les après-midi sur le menu DVD. En plus, elle sait même pas ce que c'est que le quinoa. Voilà, donc nous aussi on peut vous tracher dans les médias si on veut. Hein. Donc ce que je vous propose... C'est de conclure. Exactement. Oui, ce que je vous propose donc pour réunir les générations, c'est d'arrêter de taper sur le millennials et de commencer plutôt à taper dedans. Voilà, sortez avec un millennials, invitez-nous en bête. Regardez, on est désespérés, regardez la personne. On est désespérés, on coûte rien. Donc oui, par contre, juste un truc, hein, faites gaffe. Lors du premier rendez-vous, premier dîner, première soirée, il se peut qu'il y ait incompréhension entre nous. Il se peut qu'au cours de la soirée, on vous demande
un emploi. Elle veut quoi, cette génération, Laurent? Elle veut du travail. Par exemple, vous m'invitez. Hein, on se met en situation. Vous m'invitez et je vous dis, tu sais, je peux assumer toutes les positions, je suis extrêmement flexible. Je parle de mes horaires. Non, mais de quoi vous parlez? Si je vous dis, recentrez-vous. Si je vous dis, si tu veux, je peux te soumettre mon CV. Voilà, non, mais de, je vous envoie un mail. Okay. Voilà. Et alors si je pars sur un... Tu vois, moi je cherche un truc stage, je pense qu'ensemble on pourrait construire, c'est que je suis en train de gratter un CDI. Voilà, ne vous méprenez pas. Vous pouvez envoyer vos offres d'emploi. Oui, je fais les bar mitzvahs, je fais les mariages, achetez-moi. Bon, je vous rends votre saladier, je voudrais pas que ça manque. Non, bon, ça. Et je retiens l'info importante de cette chronique, c'est qu'Inès a une amie qui se prénomme Mildred. Voilà, oui. C'est donc vous. C'est moi. On va parler à présent d'une jeune fille qui risque de peut-être changer le monde. Pas Inès. Laurent, les autres, on va tous crever. Ça commence bien. Alors je sais, je casse un petit peu le moral, mais c'est pas non plus une surprise. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Hein. On est, on vit, on meurt. Info. Tranquille. Hashtag info. Non, ça c'est pas des hashtags. Mais apparemment, il y a quelque chose qu'on commence aussi à comprendre. On n'est pas les seuls à partir. Il y a aussi la planète Terre. Vous savez, ce petit truc rond avec beaucoup d'eau, beaucoup de nature, des animaux de toutes sortes, la forêt, enfin tout ça, quoi. Ben ouais, le gros globe, là, on a construit plein de trucs pour notre confort, mais en fait, on s'est pas dit, mais on est en train de la pourrir, la planète, là, ça craint un peu. Heureusement, il y a quand même les hommes politiques pour prendre les décisions. Non, Didier, non, là, non. 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 Ah. Pardon. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Je recommence. On est de mieux en mieux. Factor Studio. On y croit. Heureusement, il y a la nouvelle génération qui arrive, qui a décidé de prendre les choses en main. Et en plus, elle s'est trouvée une porte-parole. Et c'est Greta Thunberg. Donc Greta, elle a 16 ans, elle est suédoise. Et elle a décidé de prendre tout en main. Elle s'est dit... Chaque vendredi, je fais la grève de l'école pour le climat et à un moment donné, à force de la voir avec ses pancartes, il y a tout le monde qui s'intéressait à elle. Les jeunes l'ont rejoint, les médias sont intéressés aussi. Elle a été invitée en Suède sur un plateau TV et là, elle a tout cassé. Hein. Il y en a deux personnes étaient invitées avec elle. Une a pleuré, l'autre a voulu changer de sujet. Comme aussi. Oui, c'est exactement ça. Donc, comme le ton est donné... J'ai une relance. Et, oui. Parce que moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'interpelle surtout, c'est comment on explique cette ascension médiatique? Mais en fait, Greta, c'est un mois un discours. En septembre, devant 3500 jeunes, elle déclare « Le changement climatique est la plus grande crise de l'humanité ». En octobre, en novembre, elle va à Bruxelles et à Londres. Là, elle fait vraiment, ça devient la big star, les médias se l'arrachent. Et du coup, elle est invitée par l'ONU à la COP24. Et c'est à ce moment-là que Greta, là, elle casse tout. Hein. Avant de monter sur scène et de dézinguer un peu tout le monde, elle est assise à côté du secrétaire général de l'ONU et de son père. Et son père, avant de monter au pupitre, il lui dit « Vas-y tranquille, Greta ». Sauf que Greta, quand elle voit tout le monde, elle se dit « Non, mais c'est pas possible, je suis pas les laisser faire. Moi, je suis pas la potiche. Eux, ils sont juste là pour se montrer. » Donc, elle a dit, au lieu d'avoir une minute de discours, elle va envoyer la sauce. Donc, on a pris un petit exemple vidéo, si la régie peut envoyer. Allez, un petit extrait, on va regarder ça. Allez, Pat Le Guen, envoie. « You only speak of a green, eternal economic growth. » Because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Ça s'appelle mettre les points sur les i. Ouais, hein, tranquillement. Donc là, du coup, elle fait sensation. Donc, il y a vraiment tout le monde qui se l'arrache. Elle est relayée sur les réseaux sociaux. Ça devient le centre du monde. Ça ne devient pas un peu trop de responsabilité sur les épaules d'une gamine de 16 ans? Oui, parce que en fait, Greta a déjà un petit vécu. En 2014, on lui a diagnostiqué le syndrome d'Asperger. Mm-hmm.
Donc, du coup, c'est un peu, on se dit c'est un peu déjà compliqué pour elle. Ensuite, elle sort d'une dépression d'un an à cause du réchauffement climatique, parce qu'elle a vu beaucoup de documentaires sur ça, et elle est vraiment à fond dedans. Elle dit c'est pas possible, on peut pas y arriver. Et donc, du coup, sa famille a décidé de l'aider. Ils ont complètement changé leurs habitudes, déjà pour au niveau de la lumière, l'électricité, tout ça, pour manger. Le père, au lieu d'acheter un 4x4, il a acheté une voiture électrique, ce qui est déjà pas mal. En 2017, elle a participé à pas mal de groupes d'activistes. Et c'est un peu grâce à ça aussi qu'elle décide de mener un peu le combat. Et ensuite, on l'imagine qu'à cet âge, elle préfère se fêter son anniversaire, se promener avec ses chiens, avoir des amis et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, grâce à elle, dans le monde entier, elle a lancé un mouvement. Comme on a pu le voir, par exemple, là, si on peut faire un petit plan, dans le Libération de vendredi. Là, dans le monde entier, attention. Hop. Elle a fait des émules, hein, les jeunes poussent. Ah ouais, partout, c'est incroyable. Il y a les vendredis verts et tout ça, un peu partout. Donc je me dis que c'est bien beau de critiquer la jeune génération, parfois à tort, parfois à raison, ok, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, les puissants, là, les ronds de cuir, comme dirait un ami qui aime bien parler aux arbres, est-ce que franchement, ça ne vous dérange pas, ça ne vous vexe pas que ce soit les jeunes qui prennent les choses en main et qui arrivent à faire bouger les choses. Qui arrivent, on ne sait pas, mais en tout cas, ils essayent. Très bien. Donc à ce moment-là, normalement, j'ai un dessin, mais enfin, avec vous aujourd'hui, je ne sais pas. Vous allez quoi, me faire une petite figurine en pâte à modeler Non, j'ai quand même dessiné. Ah, vous avez quand même dessiné. J'avais dessiné pour Inès tout à l'heure aussi. Allez, montrez-le, les milliers. Alors déjà, le dessin pour Didier, pour être dans le thème, pour être à peu près cohérent. Non, parce que donc on a appris qu'au début, elle ne voulait pas aller en cours le vendredi. Donc... au départ, je voulais juste sécher un cours de techno, moi, et puis tout est allé très vite. Ouais, ça peut éventuellement partir de là. Et pour les millennials? Oui, pour les millennials, ben, en fait, en début de chronique, Inès avait dit que vous étiez entouré de millennials sur le plateau. Mm-hmm. Il y en a une autre qui est toujours entourée d'un millennial. C'est Brigitte Macron. Allez, Emmanuel, prends ton cartable, on y va. Ouais, des minutes. Est-ce qu'on peut vous appeler Brigitte? N'essayez même pas. N'essayez même pas. En plus, venant de certaines personnes qui ont toujours du mal pour envoyer des mails correctement, enfin bon, on va passer à autre chose. Parliamo l'italiano oggi. Ou peut-être qu'on va être obligé de parler italien dans quelques années. À savoir, Jean-Philippe. Oui, peut-être, parce que, bon, on le sait depuis quelques temps maintenant, la situation diplomatique entre la France et l'Italie est très tendue, entre Matteo Salvini et Emmanuel Macron. Alors, il y a une initiative qui vient de naître et qui risque pas d'apaiser les consciences. Depuis quelques semaines, le site activisme.com fait circuler une pétition sur laquelle il est demandé l'annexion de la Corse à l'Italie. L'info est très, enfin, la pétition est très sérieuse. Elle résulte d'un travail de trois historiens qui remettent en question le traité de Versailles, signé entre Gênes, d'où ce titre brillant, et la France en 1768. Alors selon eux, et quelques médias italiens qui se sont emparés de l'affaire, la Corse doit être rattachée à l'Italie. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent, c'est déjà arrivé il y a quelques années de ça. Enfin, mais au-delà de ces considérations juridiques ou administratives, est-ce que ça va vraiment changer notre quotidien? Alors, déjà, ça voudrait dire, je pense que Julien est content comme moi, que les clubs corses évolueraient dans le championnat de foot italien. En Serie A, oui. On assisterait à un GFC à Juve et un AC à Milan AC ou un Sporting Naples. Ensuite, on aurait des vols directs d'Arco. Qu'est-ce que vous avez contre Lorient, Guingamp et quoi? Je préfère la Juve, Milan. C'est une question de goût. Il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on aurait des lignes directes d'Arco, entre Ajaccio, Bastia, Turin, Rome, à 80€ TTC. Sur la DSP. Moi, je fais ma propre DSP, mais voilà. Ouais, ouais. 80€, ça me semble logique. Ouais. Dans ce cas, bien, c'est que vous n'avez besoin de personne. C'est ça qui est bien. Ensuite, bon, il y a des mauvais côtés. On hériterait de la situation assez catastrophique, la situation économique de l'Italie, mais en même temps, on pourrait y travailler au black sans être embêté par le fisc français. Et ça, c'est un bon nom. Ouais, on se prend l'autre. Hein. Bon, finalement, il n'y a pas que des bons côtés, si j'ai bien compris. Il y en a pas mal. Alors, j'ai essayé d'en lister quelques-uns. Bon, déjà, il faudrait apprendre une nouvelle langue. Mais elle ressemble assez à la nôtre. Ça devrait être assez facile. Ensuite, on ne trouverait plus de pizza à l'ananas au restaurant. C'est interdit, Anthem. C'est passible d'une peine de prison. Ah bon? On ne serait plus qu'à 80 km du continent. Ah, c'est vrai, oui. Ce qui n'est pas rien. Ouais. On aurait 4 Coupes du Monde. Pas 2. On aurait des compatriotes aussi illustres que Silvio Berlusconi, Rocco Siffredi ou la Cicciolina. C'est pas rien.
Enfin, chacun ses références. Hein. Moi, naïvement, je suis parti sur Michel-Ange, Léonard de Vinci. Non, mais bon. Mais c'est vrai que Michel-Ange, Léonard de Vinci ou le Caravage basculeraient dans notre héritage artistique. Ah. Et on pourrait, à notre tour, demander le rapatriement de la Joconde au musée Fesch. Ça, c'est pas idiot, ça. Alors, je sais pas si vous, ça vous inspire quelque chose, Julien. Si demain on est italien. On perd Maître Gims. Moi, je pense que j'aurais le droit de parler avec les mains sans me faire engueuler par la réelle parce que ça touche le micro. Voilà, j'aurais l'immunité diplomatique. Non, mais vous pouvez parler avec les mains, mais en silence. Voilà. Voilà, c'est un concept, il faut l'apprendre, Didier. Moi, ça me fait rêver parce que j'étais fan des films de Bud Spencer et Terence Hill. Et je me dis, ça aurait été super d'avoir des films en Corse. Imaginez sur la place du Diamant, Bud Spencer et Terence Hill qui distribuent des. Qui sont italiens comme leur nom l'indique. Eh oui. Ah ouais, ils sont tous les deux italiens. Eh oui. Ah, ben oui, s'il vous plaît. Ben oui, ils sont italiens. La culture, monsieur, la culture. Vous devriez regarder un peu plus souvent Viaste, là, parce que. Non, parce que Terence Hill, on le revoit dans le rôle d'un prêtre. Ouais. Oui, mais il faut regarder Viaste en même temps. Je note, hein, Julien, je note. J'ai pas la télé. Et Bud Spencer en tout cas, majeur, affaire à suivre ou pas. Affaire à suivre. Mais je vous vois venir, Laurent, vous vous dites tranquillement, moi, je pourrais animer une émission sur la RAI. Non. De toute façon, vous êtes trop cher pour le service. Sûrement, oui. Quoi ? Selon la fameuse expression ajaxienne, un capoumade. Allez, on va passer au tour de table. Tour de table, on va le commencer avec Didier aujourd'hui. Ah, bon, ok. Oui, vendredi 22 février, à Ellipse, Astronautes, la troisième édition. Oui. Qu'est-ce que c'est l'Astronautes ? C'est toute la soirée que des nanars. C'est organisé par celui qu'on appelle le patron, Dominique Nadot, à savoir qu'il fait partie de l'équipe de Nanarland. Ça fait 10 ans que ça existe sur Paris, c'est à bloc tout le temps, et il faut absolument aller le voir si vous avez un cerveau qui est au 87e degré. Oui, en fait, faut être végétarien et aimer les navets. Voilà, on va faire plus court. Sinon. J'ai envie d'appeler ma mère là. Je suis pas bien. Nous sur Viaste, on va se donner un rendez-vous. Un rendez-vous avec Morissette Rome, il dit 84 ans, débarqué de la lointaine Toscane à l'âge de 2 ans, épouse et mère de pêcheurs. Et elle raconte son enfance au village, la pêche aux côtés de son mari, la vente à pied dans les villages et le parcours de son fils Gérard Rome, il dit, qui est aujourd'hui le représentant des pêcheurs français à Bruxelles. C'est un documentaire qui sera diffusé vendredi soir. On sera le 22 à 20h45 et on en regarde un extrait. Quand arrive un paese, terre rossa, gagnano, ça reste. Dice lì, sbercatevi, pigliate sta strada. L'ultima casa c'è a rete, di custi, si sberca e buo a rete, e va. E voilà, picchia a porta. Cosa cercate? Li face vedo a pie. Ah, detto io è quello che viene per travagliare, sapete, l'ouvriero. E noi siamo resti là, ma sœur. Elle est née là-haut, mon frère aussi. Et faut que tu aies le voilà. Di qui che siamo nati. E beh, voilà. Di qui che siamo andati. E voilà. E qui che siamo grandati. Allora tu parti. Bon, andiamo capo. Voilà. Allora, buona salute a presto. Voilà. Quella c'è una la vista. Vale. E muiste, muiste. Di, allora presto che tu ritorni tu. Au revoir. Ciao. Voilà la maison où on habitait, où mon frère et ma soeur sont nés. Voilà la maison en lave, le toit en lauze. Il n'y en a plus derrière, il n'y a que du terrain. Alors on prenait le sentier là pour monter à l'école et pour aller à l'épicerie, on passait par là parce que c'est un chemin communal, quoi. C'est donc un documentaire de Jean-Michel Rodrigo et Marina Pogam. Vendredi, on sera le 22 à 20h45 sur Viaste, là, bien sûr. Vous allez où ce week-end? Oui, alors moi, je vous propose, le week-end prochain, d'aller faire un tour, hein, soit dans une brocante, soit dans un vide-grenier. Tout moi, par exemple, je suis une habituée, hein, du coup, rubrique astuce. Déjà, il faut savoir négocier, sachez-le. Voilà, un truc fait 100 euros, vous ramenez sur le stand, vous dites, je te le prends à 5. Là, le type vous regarde de travers, mais ça fait partie du jeu. Hein, voilà, il vous dit, c'est 99 et tu gages, c'est vendu. C'est un art. Hein. Par exemple, dimanche dernier, j'ai réussi à dénicher un petit. Alors, voilà, je l'ai ramené. Ce petit vase typique du 18e, hein, là, les connaisseurs chez vous, vous l'avez. Oui, on est sur un vase artisanal nippon de 1945. Voilà, une vraie trouvaille, hein, j'ai l'œil. Bon, alors, j'ai dû mettre le prix, hein, c'est un investissement. Mais...
Oui. Il n'y a pas écrit Made in China sur ton... Non, alors ça, ça c'est normal, voilà. Le vendeur m'a dit c'est parce que c'est la porcelaine de Chine. Moi, je ne peux pas travailler des amateurs. Donc allez faire des brocantes, mais ouais. Pas avec votre œil, c'est tout le week-end, c'est oui. Ça. Bravo pour vos achats, très joli. Jean-Philippe. Oui, le 23 et 24 février prochain, à Bastille-Gatch, à la 14e foire aux agrumes. C'est un peu de l'autopromo. C'est tout, on va pas dire ça, écoutez. J'ai connu un certain Philippe Scapoula qui est vraiment spécialiste des agrumes. Exact. C'est à Bastille-Gatch. Oui. On connaît un petit peu, et vous et moi, c'est la foire des agrumes. Qui dure depuis quand d'ailleurs ? 14 ans. 14 ans déjà, 14 ouais. Ans. Citron, orange, etc., etc., etc. On appelait ça citron, également. Ouais, on appelait ça le grenier d'Ajaccio. Exact. Donc allez-y, forcément. Julien. Moi, vous savez, j'aime relever le niveau de l'émission. Oui. Donc, j'aimerais parler d'une œuvre, c'est pas de l'actu, c'est une œuvre qui date de 95, ouais. Par un auteur italien, un certain Panini. Donc c'est fou de 95, donc un ouvrage magnifique. Remontrez-le. Le seul, avec Nicolas Wedek en couverture pour les amateurs. Donc, le seul petit bémol, il y a beaucoup trop de personnages, par contre. Hein, et si vous n'avez pas toutes les vignettes, vous ne comprenez rien à l'histoire. Bon, ça, c'est un vrai collector que vous pourrez trouver peut-être dans les brocantes que vous propose aussi Inès. Ah. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. En attendant lundi, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, samedi et dimanche, 12h25, c'est sur Via Stel. Venez avec nous, passez un bon moment à la mi-journée, partagez notre table, ce sera toujours avec un grand plaisir. On se retrouve donc samedi. En attendant lundi, ciao ciao. Thank you.